Et il a tué madame Nantou lui-même avec balle et il a jeté corsage. Et ça fait qu'il pas tourné, mais et soldat Lio, parce que ancien Nicolas Fonc, il a dirigé gang qui a opéré, alors dans Fort Dimanche, il vient quitter dans cette gang ça. Et donc soldat Lio lui-même, il a une certitude que effectivement Enzo Nicolas s'est tué, il a tué lui, l'enquête par eux qui a mené, il a même compris qu'il a tué lui. Et à partir de ce moment, 23 mai 2020, il a décidé d'attaquer Nicanor Altès. Cependant, c'est juste ça, je peux comprendre que premièrement, force de frappe Nicanor Altès a augmenté, plus fort que ça a été pensé. Hein. Et deuxièmement, je peux comprendre tout que Nicanor Altès a changé de chemise parce que je ne veux pas venir passer dans l'autre camp. Même jour, 23 mai, dans la soirée, dans la pièce de Michel Lizier alias Barbecue, dans Delmasus, il y a eu une grande rencontre qui fait. Côté que tu as gagné 13 chefs de gang qui ont participé dans la réunion, ça, pour être capable de décider pour attaquer simultanément pour nous, Chancel et dans Tokyo. Nous insistons sur le mot simultané pour nous comprendre que le niveau de quantité de moyens que vous décidez de mettre en œuvre pour être capable justement d'attaquer en même temps trois zones. Et donc, rencontre de planification, c'était pour voir qui gang qui peut aller dans telle zone et à quel moment donné peut être capable de bien synchroniser l'attaque simultanée. Ça, c'est à planifier. Qui 13 chefs gang ça, si nous arrivons là? 13 chefs gang ça, qui participaient dans un proclan, on a cherché le rencontrement pour nous partager. D'abord, il y a Jimmy Chérizé là-dedans, alias Barbecue. Et bien sûr, il y a Jimmy Chérizé alias Barbecue, il y a Iska André alias Iska, et lui-même, lui a opéré mon téléphone dans Cité Soleil, il y a Serge Alexis alias T Junior, lui-même a opéré mon Chabon, et il y a Wilson Pierre alias Sanson, qui lui-même a opéré dans Zone Bel Air, Louis Saint-Martin, Louis Portland, il y a Nicano Altes, qui a opéré les tours. Non, et que vous voulez tout Monel Félix et qui est si j'ai nommé Wamikano, lui-même lui a opéré dans Wap Jérémy, gagné Jouma Albert alias Douma qui lui-même a opéré dans Simon Pelé, gagné Mathias Saint-Il qui a opéré dans Namboston, gagné Ezekiel Alexandre qui est dans Basilas, gagné Grosseni ainsi connu, lui-même nous pouvons que tout le monde qui a opéré et qui lui-même a opéré dans Soua, mais lui se représente en Suisse là. Qui est bon nom lui-même, qui soit chez lui. Gagné Grégory, ainsi connu, qui lui-même a opéré dans Delma 95. Harold, ainsi connu, qui a opéré tout dans Delma 95. Gagné Scott, ainsi connu, qui a opéré dans une cité au Caïs-Pézérémy dans Delma 19. Et gagné Pouchon tout, même zone là, cité au Caïs-Pézérémy, Delma 19. Donc c'est très chef comme ça, hein? Après, quand tu finis faire 23 mai, on va donner un rapport là-là, après un DDHTA, qui mettait tête ensemble pour à l'attaquer Pont Rouge. Pour l'attaquer, en réalité, pour l'attaquer toute zone que nous là. Pont Rouge, Chancel, Natokyo. Exactement. Parce que Pont Rouge, lui-même, pour qu'on parle, il y a 4 blocs. Mais lui-même, il a décidé, c'est pas seulement, mais dans 4 blocs, il y a un bloc que les Pont Rouge qu'on parle. Donc lui-même, il a décidé, c'est pas seulement bloc Pont Rouge là qu'il va l'attaquer, mais vraiment toute chaîne là. Mais maintenant, et tout par rapport à l'événement, ça, c'est que depuis le ça, c'est vraiment la terreur qui est installée dans la zone publique là. Une terreur qui est manifestée par des attaques continues, côté que gagne au moins 5 blindés police nationale d'Haïti à cap monter des sons, almener bandits dans une zone qui est supposée attaquer. Bandits ont nommé au bonbon gaz lacrymogène pour le voyer dans une zone, forcer pour quitter Kayo parce qu'il a suffoqué. Et à ce moment, ils ont tué, ils ont grain par, alors ils ont tué, ils ont tiré sur une graine par graine, gagné dans le qui sur place, mais qui est tout qui blessé par balle. Qui blessé par balle, il a achevé, soit parce qu'il a coupé tête, soit parce qu'il a achevé avec coup de roche ou bien coup de bloc, ou du moins il a lâché en miettes morceaux pour mettre du feu sur lui. Madame du Sénat, aïe, m'appelé, m'fait-t'en de sortir, et l'écrit devant Jimla, noir sur blanc, dans point 46 rapport. Et 5 blindés de PNH ou fait dit là, ils participent activement à l'attaque qui fait dans Boucline. Ils ont la gaz lacrymogène, ils ont lancé dans la direction Monio, Monio sorti et ils ont systématiquement pris yo en charge. Madame du Sénat, c'est vrai que blindé la police
de blindé avec cacheté avec l'agent taxe nous trouvé au service de bandits qui a tout le monde dans des quartiers populaires. C'est vrai, bagaille ça? Oui, c'est vrai, et c'est vrai tout que nous connaissons des gens qui ont des photos de blindé ça qui est dans la zone là. Et peut-être ça qui montre le niveau de cynisme, leur connaît que c'est blindé la police qui a porté bandit à tuer les gens, c'est que généralement, ou bien doit rencontrer avec des autres policiers, surtout par exemple si là qui est affecté dans le commissariat, sous commissariat qui est environ des zones ça yo, yo même pas de moyens et les ça yo même yo pas qu'à rentrer dans zone faute de moyens, yo pas yo pas de balles, yo pas de munitions, yo pas de armes pour colter avec bandits parce que justement autorité yo n'a pouvoir décider plutôt que ces bandits que pour ils renforcer. Et d'ailleurs, c'est justement dans le schéma renforcement ça a publié et qui expliquait que je n'ai aujourd'hui à fédérer cette chose. Et ça, pour nous comprendre, c'est que ça paraît aussi visible iceberg là, c'est G9 là, mais G9 là lui-même, il y a une base, et base lui sont G20. G20, c'est 20 autres gangs qui n'ont pas gagné même capacité organisationnelle que gang qui fait partie de G9 là, qui pas gagné même territoire important sur le point économique que a dirigé, mais que même dans langage pa yo yo des têtes de coup. Et donc ça veut dire que en réalité c'est de ça qu'il s'agit, c'est que journée aujourd'hui l'argent nous a acheté blindé, l'argent nous a acheté gaz lacrymogène et il y a bail bandi toutes ressources ça yo soit disant qu'ils ont acheté sous la police, mais ils ont bandi ressources sur ça, puis ils ont attaqué la population à des fins politiques et électoralistes. Du moins, c'est ça que nous joignons comme information, nous parler avec les gens que nous avons rencontrés, nous demander d'essayer d'expliquer nous pour eux-mêmes comment ils comprennent l'attaque en série ça qu'ils ont subi dans la zone côté de la ville. Est-ce que y a des policiers UDMO et UIGPN qui ont une connexion avec les barbecues et M. Sayo qui impliquent dans cette opération Sayo qui fournit une logistique pour fonctionner dans la communauté? Et bien sûr, il y a un policier, d'ailleurs, nous-mêmes au niveau de l'UDDH, Jimmy Cherizier alias Barbecue a circulé avec la protection police nationale d'Haïti. Lui, d'ailleurs, c'est même pas ça, c'est plus grave. Tout le monde a dit ça qui s'est passé le 1er avril 2020, côté que c'est Jimmy Cherizier qui a distribué manger. Que on, selon information, c'est-à-dire que Faer ça voulait pour distribuer et que nous c'est lui-même qui a dit qui côté pour y bailler manger etc. Nous pas même rentrer vraiment dans déni de règles de redevabilité de redevabilité humanitaire, nous pas rentrer là-dedans et bien que ça quand même fait nous grave que c'est quand même Faer lui-même qui a voulu des manger pour distribuer alors que c'est un bandit que la utilité pour faire mais faut que nous d'accord que Jimmy Cherizier c'est un homme puissant, c'est un homme fort qui soi-disant activement recherché par la police mais qui toujours a opéré. Mais justement l'a opéré parce que lui il y a un policier qui entre en connivence avec lui et puis Fonayo fait partie de unité spécialisée. Dans le cadre après là nous citons non 5 parce que nous avons des informations vraiment précises et arrêtées sur le fait que yo a entretenu des rapports continus et des rapports de des rapports privilégiés avec Jimmy Cherizier. Cependant, et nous continuons à chercher information toujours. Par exemple, nous gagnons, bien sûr, nous gagnons Gary Sanon, qui était fait partie de 13e promotion PNH, là. Il était dans UTMO. Non, il était cité dans massacre La Saline. Après ça, il vient transférer le petit rivière de l'Antibonite, mais il y a une unité spécialisée, vous voyez, dans la police administrative. Et lui-même, et lui, toute la scène d'une Port-au-Prince, bon côté Jimmy Cherizier. Nous gagnons David Tizéran. Lui-même, il fait partie de 24e promotion. Il est là pour faciliter le déplacement de Michel Vizier pour partout dans le pays. Non, il était cité tout dans le massacre La Saline. Il y a une pile victime massacre La Saline qui s'est porté plainte contre lui. Nous gagnons Luxon Dessous qui fait partie de 24e promotion. Il est affecté dans USGPN. Il est souvent servi de chauffeur pour Jimmy Cherizier alias Barbecue. Nous gagnons Alain Boyer, lui-même fait partie de 18e promotion. Il est dans UDMO. Il était participé dans l'opération qui était faite dans Grand Ravine en 2017 là. Nous gagnons tout Mackenzie Cantar, qui lui-même fait partie de 22e promotion police nationale d'Haïti et qui n'a eu trop. Ça pour nous comprendre, c'est des policiers qui prêtaient, en tout cas, qui a protégé Jimmy Cherizier. Ils ont décidé que coûte que coûte, faut que
participer activement dans l'activité que M. Lidé a mené yo, et yo recevoir de fortes sommes d'argent pour service rendu. Ou dit non. Non, mais dit Michel. Maintenant, dans le point 99, là, on dit plus loin de nombreux agents faisant partie d'unité spécialisée de la PNH, de l'unité de sécurité générale du Palais national USGPN, l'unité départementale pour le maintien d'ordre, UDMO, la brigade d'intervention et de maintien, la brigade d'opération et d'intervention départementale Boyd et le corps d'intervention pour le maintien de l'ordre, CIMO, ont prêté allégeance à Jimmy Cherizé alias Barbecue. Il touche des sommes exorbitants pour services rendus. Effectivement, son relation d'allégeance. Vraiment d'impression que c'était justement un serment d'allégeance vis-à-vis de Jimmy Cherizé. Bon, c'est vrai que c'est Nicanor qui vient jouer avec Noniwa Nicanor, mais toujours est-il que même si Jimmy Cherizé n'est pas mis de roi devant Noni, il faut que nous d'accord, c'est un homme qui est très puissant. Il y a un backup autorité policière, il y a un assise sous autorité policière, et si là, il y a un secteur privé des affaires, là, il y a très peu, parce que les a négocié l'argent avec nous, ça a vraiment demandé des fortes sommes d'argent, souvent en américain. Et c'est l'argent, ça a que nous, ça a qui dans le secteur privé des affaires, là, qui posait par pour Bali, pour permettre que eux même soient capables de continuer avec l'activité par eux. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Maintenant, l'on parlait de ligue connexion avec autorité policière, yo, et on soulignait dans les documents, tout, et qu'il y a 5 blindés la police qui étaient participés dans l'opération pour côté bandits. Est-ce que ça veut dire, et Madame Auguste, c'est institution policière là même qui derrière et gang ça haut, Jimmy Cherizé en particulier, ou bien c'est des éléments dans la police là qui pas guépoué en lien avec tête la police là? Et en réalité, selon information nous, et selon ça nous même tout nous comprendre, c'est Jimmy Cherizé qui est alias Barbecue qui gagne un niveau de manipulation par eux. Ça veut dire lui-même, lui gagne. D'ailleurs, il dit non, c'est pas seulement un moment attaqué. De manière générale, lui n'a blindé la police. Donc, ça veut dire autorité policière, je ne veux dire, et là, nous vraiment parler de CSPN. Il doit vraiment comprendre qui gens matériel PNH là administré. Et pas seulement blindé, c'est tout l'autre véhicule, parce que nous avons gagné de l'autre véhicule, par exemple, qui n'a même Simo, qui n'est pas forcément blindé, ça, qui était fait acheter, qui était déjà impliqué dans l'autre massacre. Et même Jean-Tout, n'a pas les deux armes, n'a pas les deux uniformes, parce que nous avons rappelé que dans le massacre qui était fait 14 novembre 2018, population la Saline, t'es gagné des mouns qui t'es gagné uniforme la police sous yo. Et c'est d'ailleurs, il était inscrit noir sur blanc dans le rapport et Nations Unies FEA qui dit que, en réalité, uniforme n'a pas complété parce que moun ta yo t'es gagné sandales dans pied yo, yo t'es gagné tennis dans pied yo. Donc c'est ça qui fait que la population te comprenne qu'en réalité, c'était pas des vrais policiers qui t'ont attaqué yo, mais de préférence, des gangs qui t'ont utilisé. Et matériel populaire, un matériel PNH là, qui était capable de venir attaquer. Donc, je n'ai jamais dit, pour revenir à Sanabdian, effectivement, il parlait nous de 5 blindés, la police qui participait dans le massacre là, et j'en ai dit, il y a une photo de blindés sans eau qui a circulé tout. Et deuxièmement, il parlait nous de gaz lacrymogène, il a parlé de une population qui a subi attaque ça. C'est des gaz lacrymogènes que vous voyez pour forcer le sortir, qu'on a tué. Vraiment, non, scénario de chasse à l'homme. Donc, nous, vraiment, nous-mêmes, notre population, obligés de demander CSPN, expliquez-nous qui sa stratégie de sécurisation population y est. Est-ce que c'est pas dire que vous mettez pouvoir pour la population sécurisée? Le RNDH pas disposé d'informations qui laissent le comprendre que peut-être la police a impliqué dans mettre à la disposition de gang Sao, du Michel, en particulier, matériel et la police. Là. Impliqué directement, que peut-être la police l'a impliqué directement dans mettez matériel et la police là à disposition. Donc, nous n'avons pas gagné information sur ça. Cependant, nous quand même pointé responsabilité, parce que la police là, de toute façon, c'est un foyer hiérarchique et donc, je supposé gagner information précise sur tout ce qui a fait. Maintenant, ce chiffre, quand tu es victime, qui t'es fait dans 3 et 4 Sao, Pont Rouge, Chancerelle et dans Tokyo, par 13 chefs gang Sao, qui s'est chiffré en termes de monde qui mourit, madame? Nous-mêmes, au niveau de la NDDH, j'ai une information que il y a au moins 34 monde qui mourit. Parmi 34 monde Sao qui mourit, il y a là-dedans 3 mineurs avec 6
femmes. Nous avons une information tout que gagné au moins 8 personnes qui blessés. Gagné un mineur d'une quinzaine d'années et gagné une petite fillette de 4 ans qui recevoir 4 balles. Il recevoir un balle dans ventre, un balle dans cuisse droite, un balle dans chaque main. Grande ni qui était la caille, qui même qui était la caille grande ni qui t'a payé lui recevoir un balle tout. Mais grande ni était quand même à courir avec elle pour essayer de sauver la ville et c'est quand même une patrouille police nationale qui joint ni et qui décide mener ni et dans l'hôpital dans Port-au-Prince pour être capable rapidement et recevoir soin ou faire opération donc vivi pas et non, maintenant maintenant on va parler de attaque ça qui 34 monde RNDDH dit qui mourir là dedans c'est attaque qui fait sorti 24 pour arriver et 25 juin et 27 mai 23 en réalité parce que c'est 23 et il y a un monde qui mourir. OK. Qui okay. Recommandations nous fait autorité et nous fait des recommandations précises qui allait directement sous lien nous parti de gang Orméo avec police nationale là. Et d'abord nous demander autorité yo dans un premier temps de mettre fin à protection gang Orméo. Deuxièmement nous demander pour enquêter sur connivent qui gagne entre agent PNH avec gang Orméo. Nous demander tout pour enquêter sur lien qui gagne entre Jimmy Cherizier alias Barbecue avec certains policiers qui fait partie de unité spécialisée UTMO ILGPN Timo Boyd. Nous demander pour enquêter tout sur lien qui gagne en Jimmy Cherizier alias Barbecue avec certains policiers eux-mêmes qui affecté dans sous-commissariat Delma 3. Nous demandons pour assurer sécurité population en général et si là qui habitent dans quartier défavorisé en particulier et enfin nous demandons tout pour prendre sanction contre tout agent PNH qui gagne des liens de connivence que ont développé avec les gangs armés en général et avec Jimmy Cherizier alias Barbecue en particulier. Depuis nous-mêmes, nous monitorons la police, la sécurité, la violation des droits de l'homme. Et nous observons un phénomène similaire par rapport à ça dans la police. Non, nous pensons que nous avons dit peut-être dans le moment où nous sommes attachés, là nous sommes rendus en 2001, 2002, 2003, et la situation est un petit genre grave. Mais ça n'a pas gardé la journée aujourd'hui. Côté que nous avons des autorités qui décident pour yo bay gang armé j'arrête nous pas contre moins ça c'est première fois que n'a fait ça yo continuer à bay aux armes gang armé yo pas jamais à court d'armes et de munitions. Deuxièmement yo a montré clairement tout que bon là nous voit que qu'il y a perdu et tout nous pas comprendre qui ça ça veut dire et yo gagne en pile force tout donc c'est vrai c'est première fois que nous voit et situation aussi grave. Et je ne dis à tout, comme tout dit, c'est pas seulement Port-au-Prince qui est concerné, c'est dans tout pays qui a un gang armé, c'est toute cette situation invivable pour la population. Hein. Donc, les autorités ont vraiment un intérêt pour intervenir, pour mettre un haut là dans ce qui a passé. Ils ont d'autant plus besoin d'intervenir. Nous-mêmes, dans RNDDH, nous avons toujours pris une leçon pour nous citer nos victimes. Pour nous, non seulement citer nos victimes, mais essayer pas outils. Pour nous comprendre que ce n'est pas seulement question de chiffres, ce n'est pas seulement 34 personnes qui mourent, mais c'est des gens, c'est des mamans, c'est des papas, c'est des petits, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ont gagné et ont espoir devant eux. Donc, c'est des gens qui habitent, c'est des gens qui font partie de la population. Deuxièmement, il faut que nous disions que nous gagnons des victimes en chaîne, que je ne veux dire à percevoir, par exemple, des gens qui étaient victimes. Et notre 13 ou 14 novembre 2019, qui peut être victime de l'autre différent massacre qui fait depuis pendant toute l'année 2019, et qui joue aujourd'hui encore qui victime. Il y a 98 cas qui boulent, sorti 23 pour arriver 27 mai 2020. C'est vrai que c'est des petits cas, des petits maisonnettes, c'est des cas mounes, c'est ça qui est possédé. Il y a des gens qui ont des petites machines, qui ont des petites motocyclettes, qui te permettent de vivre, vaquer à l'occupation, prendre soin de famille. Encore une fois, ils ont perdu tout ça qu'ils possédaient. Donc, ce qui s'allie, c'est que l'autorité ont fermé géo, tout le monde qui a vécu dans le quartier défavorisé, et donc droit à la vie, droit à la sécurité, droit à la propriété privée, ils n'ont pas gagné, droit à ça, ils n'ont pas existé pour eux. Et ça, c'est inadmissible, nous pas qu'à continuer comme ça. Madame du Sénat, est-ce que c'est l'autorité qui ferme les yeux sur la situation et compatriotes ça va parler à la? Est-ce que la société a pas une indifférence vis-à-vis de ce monde? Est-ce que toute la société a compris gangrène ça, métastase ça, qui a privé sous toute reste composante sociale là, sous toute reste société au fur et à mesure finalement? Oui, c'est vrai.
C'est vrai que l'organisation doit mener. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que vous mettez en application politique que vous décidez pour que d'ailleurs vous même qui établit politique, yo, stratégie d'intervention, etc., pour permettre que la population jouit, que pour l'autorité ça garantit que la population gagne et doit la vie. Judiciaire, yo, législateur là pour mieux dire, s'est décidé d'installer une section terrienne devant tribunal première instance, non, Antibonite, soit Gonaïve, c'est mort, et puis non, devant tribunal première instance, n'importe où. Mais je ne j'ai dit, on garde en pleur question et section en question conflit terrien vient brancher tout partout dans le pays. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que journée aujourd'hui, ça n'a pas gardé qui a passé dans ça. C'est les favoriser à n'importe qui moment, il a passé n'importe qui côté. Et d'ailleurs, il faut se poser la question, c'est ça qui empêchait bandits armés de marcher sur n'importe qui monde, marcher dans n'importe qui zone, à continuer à mener attaque. Pas rien qui empêchait parce que justement, il est très arrogant dans la façon que vous sentez que l'autorité qui l'a aujourd'hui a protégé. Dernière question, de poser Mme Gilles hier matin. Par rapport à la situation, ça, connaissant la coopération des États-Unis, du Canada et la France avec les autorités policières et judiciaires, et en considérant la sensibilité qui convient par le passé par rapport aux violations des droits de l'homme, que ce soit par le commissariat des Nations Unies et pour les droits de l'homme, que ce soit de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, FIDH et d'autres entités qui ont occupé les droits de l'homme, est-ce qu'on a le sentiment que nos amis, entre guillemets, de la communauté internationale, qui ont gardé et qui ont monitoré à faire violation des droits de l'homme, ont-ils gens ben, nous vagues ou bien pas care de nous? Et en réalité, c'est même pas ont-ils gens. À un certain moment, tout le monde dit oui, Haïti n'est pas du tout constitué une priorité ni pour différents organismes qui ont défendu le droit de l'homme sur la scène internationale et sur la scène régionale, dans le sens que. Bon, ça qu'arrivé que rien des réunions que fait sur Haïti, mais vraiment rien de trop sérieux. Et deuxièmement, nous quand même gagné Nations Unies qui était ici en Haïti, qui passait toute qualité non, sorti de la stabilisation pour l'intégration. Donc, nous, clair que nous, ouais, résultats, yo, pas pour bon du tout. Nous gagnons des résultats qui sont très mitigés. Et je ne veux dire, c'est clair tout que nous pensons que nous de l'autre côté, de l'autre pays qui constituent des priorités pour eux. Ceci étant dit, nous, même dans RNDDH, nous quand même été prêts que l'autorité est ainsi que eux-mêmes. Il y a même pu lancer un mauvais message là, parce que nous quand même songer, les présidents Jovenel Moïse rentrés dans le pouvoir en Haïti, le premier acte qu'il a fait, c'était justement pour le divorcer avec mécanisme, ça, qui te permet que tu aies un expert indépendant sur la question de Wamoun, venir en Haïti, visiter Haïti et faire des rapports sur Haïti, sur la situation qui a passé dans le pays. Au moins, c'était un mécanisme qui te permet que quelque part, gagner des archives. Parce que, qu'on le veut ou non, expert indépendant, peu importe ce qu'on a reproché, il était toujours qu'on vient rencontrer la société civile, là, il était toujours qu'on a pris information dans nous, et là, il fait rapport. Yo, qu'on y a des rapports qui sont très équilibrés et qui sont plus ou moins présentés, qui sont la situation à prier, qui sont la situation qui sont à vivre dans le pays. Ya. Donc, il est clair que, je ne veux dire, organise ça, yo, dirige, et bon, il y a regardé l'autre côté. Mais un peu sous pays amis d'Haïti, il faut qu'on dit tout que, la réalité, c'est quoi? C'est que, de manière générale, il s'agit d'intérêts. Et je ne veux pas dire, il faut qu'on d'accord, les Haïtiens, c'est eux-mêmes d'abord qui supposent qu'il y ait intérêt pour leur propre pays avant tout. Merci beaucoup, Madame du Sénat. Passez une bonne journée. Merci en pile, c'était un plaisir pour être avec nous. On a passé une bonne journée, moi, et nous souhaitons à tout, et au niveau de tout panel-là. Et n'a pas salué encore une fois tout auditeur, tout auditrice de panel magique. Merci beaucoup. C'était Mme Marie-Rosie Auguste du Sénat autour du rapport ça. Ben, écrit et puis vous venez de documenter. Il faut me souligner dans le rapport NDDH, il mettait toute liste de monde qui est victime. Oui. Il mettait des gens qui sont blessés. Les noms. Donc, on tient histoire sur chaque là. Maintenant. Et que ça vient répéter encore. Là. Où sont les dépôts de papa? Non, je suis en train avec dans Tokyo.
Je ne pose pas parole la question. Là, je dis les. Mais ça, madame Maxine Wadeuse, dit dans le tria, d'après le rapport, il y a une blende qui est entrée. Si c'est vrai, je demande à l'ambassade américaine pour. L'ambassadeur américain, madame Michelle Sisson, pour condamner les bagages, et vous demandez enquête pour fixer les responsabilités rapidement. Je dis, mais pourquoi lire l'être là? On s'est entretenu, il est lié. Je pose une question sur blende. Je dis, c'est que nous avons des informations. Et pour porter plainte, mais il va rien donner. Que nous avons dit, que nous avons rapporté. Et souvent, il y a tellement énorme